Slav. Félicitations. Vive le marié. Voilà, donc je disais, le Maria arrive, on voit Maria et Jean qui sont tout devant, suivis par les personnes qui simulent les parents. Donc on a Santa, la maman du marié, et Tony qui est le papa de la mariée. Et derrière eux, évidemment, amène la mariée vers l'hôtel de ville. Et voilà, vous les voyez, ils avancent doucement, sereinement, tout heureux avec un beau sourire. Sous les genoux de la famille, ils montent les escaliers et c'est ce pays d'accueil. Voilà, et la famille de la mariée est accueillie, les mariés, la famille. Évidemment, par la famille du marié. C'est un lieu emblématique en plus, hein, donc c'est très bien. Alors on a eu la chance d'avoir avant vous les Sardes qui nous ont fait une danse en diablé. On a eu les Grecs qui se sont défoulés en invitant le public à faire un siltaki. Donc on a déjà trois nationalités représentées en très très peu de temps. Ensuite on aura un défilé de mode multiculturel axé cette année sur le thème du soleil. Et donc maintenant, place au mariage berbère. Sarah Ous. Mille merci Pascal, un énorme plaisir de travailler avec toi. Voilà, je passe la parole à Fabio, avec qui j'ai autant de plaisir à travailler. Voilà Fabio. Ben, bonjour et merci à tous et merci d'être... dans les deux, c'est comme si j'avais deux glaces en même temps, mais c'est pas facile. Donc voilà, mais je m'appelle les nues plein sud, mais ça se justifie. On a parlé des Espagnols hier, on a terminé avec les Brésiliens, on a vu les Sardes tout à l'heure, les Grecs. Aujourd'hui, on a nos amis marocains qui sont avec nous, mais en termes d'intégration, je pense qu'on ne peut pas dire que l'ouverture manque à Jemap. Et je suis très heureux de collaborer pour cet événement avec Khadija Naïmé et Pascal Barbet, parce que quelque part, c'est une fierté. C'est une fierté de faire revivre Jemap. Quand on dit qu'il ne se passe rien, mais sachez qu'ici, il se passe quelque chose. Et notre programme a toujours été vers l'ouverture. Et je salue aussi le travail de fond qui a été réalisé par Mouchaïb Samaoui, qui tente aussi de maintenir pas mal d'activités, notamment économiques, et qui aura le plaisir d'accueillir pas mal d'entreprises wallonnes du 25 au 30 novembre au Maroc. Et ça, je pense qu'en termes d'échange, de culture, d'économie et simplement de sympathie, je pense qu'on peut applaudir bien fort. Ont contribué à la réussite de ces trois jours. Donc, Jemap plein soleil, Jemap fête soleil, c'est avant-hier, hier et aujourd'hui. Mille merci Pascal, mille merci Fabio et mille merci à toutes les personnes qui sont là. Merci pour votre soutien. Les escaliers
Et derrière eux, évidemment, on voit les parents. C'est la tradition. Et les parents doivent normalement, si ce qui se passe d'habitude, leur souhaiter. Ainsi, quand on marie et qu'elle a marié, une longue vie matrimoniale et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Merci.
place. Et là, nous demandons à tout le monde de venir nous rejoindre sur la place pour une petite démonstration, si vous voulez bien.
Merci.